يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. السلام عليكم mes frères et sœurs. Nous avons la joie et le plaisir de vous apprendre dans certains de nos rappels vidéo un beau bouquet d'évocations et d'invocations de protection parfumée pour embaumer vos belles journées, pour vous préserver et pour vous protéger de tout mal par la volonté de Allah Ta'ala. Nous vous appelons donc à vivre chaque jour avec ces paroles d'évocation bénies. Bien évidemment, nous espérons des enfants comme des grands que lors de la récitation des évocations et des invocations régulières de protection, de bien veiller à articuler correctement les lettres et de les prononcer à partir de leur point d'articulation. Par exemple, il y a de bien veiller à faire la distinction entre la lettre Sod et la lettre Sin, entre la lettre Ta et la lettre Ta, ainsi qu'entre la lettre Kef et la lettre Qaf. Je vais aujourd'hui, Inch'Allah, vous transmettre une parole qu'il est bénéfique de réciter trois fois, pour Inch'Allah, échapper aux tourments, devenir au nombre des pieux, délaisser les péchés et pour que se réalisent les affaires. Cette parole est en arabe. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Elle signifie ô toi qui as pour attribut la vie et qui es exempt de faim, je demande le renfort par ta miséricorde, répare mon état. C'est-à-dire, fais que je sois bon et fais que je ne suive pas les passions de mon âme même le temps d'un clin d'œil. Je demande à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils écoutent de belles paroles, ils les suivent et appliquent au mieux le meilleur de ce qu'ils entendent. Retrouvez chaque vendredi un rappel donné par un petit musulman sur notre chaîne YouTube Petit Musulman. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.